années, des millions d'années que je n'ai pas vlogué. Aujourd'hui je suis toute excitée parce que je suis en route, bah je suis pas en route, je suis encore chez moi, mais je suis sur le point de partir pour aller au tattoo shop où je vais me faire tatouer aujourd'hui. Et en vrai je suis super stressée parce que je suis bookée pour 4 heures et mon tatouage le plus long jusqu'à maintenant il a duré genre 45 minutes. Et donc il est pas beaucoup plus gros que celui que j'ai là, mais apparemment il va prendre beaucoup plus de temps. Donc je sais pas du tout comment ça va se passer, je suis un peu stressée. Et j'y vais toute seule, donc il y aura personne pour filmer ou prendre des photos, ce qui est très très triste, mais je suis très excitée. Ok, j'ai pas posté de vlog depuis que je suis rentrée de Bali. J'ai filmé par-ci par-là des petits trucs, mais c'est vrai que mon retour s'est pas tout à fait passé comme prévu. J'étais censée retourner à la Syrie et ça s'est pas fait, faute de budget de leur part. C'était un peu compliqué. Du coup, j'ai essayé de trouver du travail et je n'en trouvais pas, donc je me suis reconcentrée à fond sur les trucs de graphisme pour essayer de re-remplir un peu mon compte en banque. Et je crois que je suis tellement déprimée quelque part de partir, même si je sais que je vais revenir, que j'avais beaucoup plus de mal à prendre le temps de me poser devant l'ordinateur et d'éditer, parce que je préfère vraiment être dans le moment et profiter de tout ce que j'ai là sans passer du temps sur l'ordinateur, parce que je sais que ça je pourrais toujours le faire plus tard, je pourrais toujours le faire dans les genre 16 heures d'avion qui m'attendent pour rentrer, etc. Mais j'essaye de m'organiser un peu, j'essaye de poster ce vlog, donc je sais que c'est un peu n'importe quoi parce que ça date déjà, mais j'espère que ça te plaît quand même. Aujourd'hui je retourne me faire faire les cils, donc ça c'est le avant. Je suis un peu en retard donc je me dépêche et je viendrai te montrer le après. Et ça c'est le après. Bon, on est le jour d'après parce que j'ai oublié de le vlogger hier. J'ai fait un tout petit peu moins long que la dernière fois. La dernière fois j'avais des 13 mm et là j'ai des 12 mm je crois. Et je sais pas, les autres étaient... Enfin, c'est que 1 mm de différence et j'ai l'impression que les autres étaient vachement plus ouf. Enfin, je sais que ceux-là font pas naturel pour autant, hein, mais bon, ok. Aujourd'hui on est mardi, c'est mon dernier jour complet ici en Australie. Je prends mon avion demain à midi. Oh, j'ai pas envie. Ok, donc là je suis en train de faire plein de trucs, j'en peux déjà plus. Donc je suis encore en train de gérer les impressions, tu vois pas mais c'est là, de vos commandes sur le truc dont je peux pas parler parce que ma maman est pas encore au courant. Si vous suivez sur Instagram, vous savez de quoi il s'agit. Donc j'ai fini toutes les commandes qu'il faut que j'emporte dans ma valise. Et là j'ai encore une commande à faire que j'aimerais bien envoyer avant de partir, mais ça... Enfin bref, j'en ai 5 à faire pour une commande et un truc ça prend 6 heures, donc c'est juste pas possible que j'arriverai à tout faire aujourd'hui. Je vais essayer de m'avancer à fond et de genre mettre l'adresse et tout sur le colis pour que Rob ait pas ça à faire quand il rentre du travail. J'étais en train de faire ma valise l'autre jour et ma valise est complètement pleine. C'est pas une très grande valise, c'est une petite valise que j'avais pris pour aller à Bali, puisque avant j'avais un sac à dos. Mais là, vu que je savais que j'allais prendre les cadeaux de Noël, je me suis dit que j'allais acheter une valise en dur pour pas abîmer les cadeaux. Et donc, avec mes fringues et genre mes affaires de toilette, elle est remplie. Et j'ai été acheter les cadeaux de Noël hier, donc je sais pas si tu vois la taille rien que de celui d'en dessous là. Mais du coup je vais aller acheter un deuxième sac. Avec Emirates j'ai le droit à 30 kg de bagages et là ma valise elle fait même pas 15 kg. Donc j'ai le droit à autant de bagages que je veux tant que je respecte la règle des 30 kg. J'ai jamais voyagé avec deux valises. Alors il faut aussi que je recolore mes cheveux aujourd'hui, bah, que je décolore les racines et que je recolore les racines, parce que j'aimerais bien faire ça avant de rentrer en France, parce que j'ai tout simplement de la décoloration ici que j'ai pas envie de ramener dans ma valise. Donc je vais faire ça aujourd'hui et puis je vais un peu ranger la maison, ranger le bazar et je vais faire des crêpes, non des gaufres, je vais faire des gaufres pour Rob pour le dernier jour. Je vais essayer d'avancer dans ce que je fais, je vais peut-être essayer de filmer tout ça et puis j'aimerais bien, j'ai encore des trucs de graphisme à finir aussi et j'aimerais bien commencer à monter ce vlog ou sinon je le montrerai dans l'avion. Je ne sais pas, oh
Je déteste, alors j'adore partir en vacances. J'aime bien rentrer, je suis pas en train de dire que je déteste rentrer. J'ai super hâte de revoir tout le monde et j'ai plein de trucs de prévu, ça va être trop cool. Et j'ai plein d'idées et comme je disais sur Instagram, j'ai recommencé à accepter des partenariats et j'ai plein d'idées pour faire des trucs cool et pas juste, tu vois, regarde, on m'a donné ça, achète la même chose. Donc j'ai pas mal d'idées, je suis vachement excitée, j'ai déjà envie d'être chez moi et tout, mais je déteste faire ma valise. Et je suis pas une grande grande fan de l'avion, ça me dérange pas, le décollage m'angoisse toujours un peu. C'est long quoi, c'est long. Et j'aimerais pouvoir, tu vois, dire au revoir à Rob, bah, finir ce que j'ai à faire aujourd'hui, dire au revoir et zou, me téléporter à Paris et être à Paris. Enfin bref, j'arrête de blablater et puis je pense que je vais vlogger aujourd'hui un peu pour te montrer l'avancée de ce dernier jour en Australie. Bon, finalement, j'ai pas revlogué hier, j'ai rangé toutes mes affaires, il n'y a plus rien à moi là, alors qu'hier c'était le bazar. Je suis en train d'attendre mon Uber qui va arriver dans 5 minutes. Et c'est parti. J'ai garé, ah tu vois pas, si tu vois, j'ai garé Roger de l'autre côté pour les 3 mois. Oh, ok. Ok. Bye bye, super maison. Super coloc, on se retrouve en février.